Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez? Bonsoir, Karine. Le son va et vient comment, je comprends pas. Mais c'est ce que je fais mon direct sur TikTok. Hein. Parce que moi, je comprends pas cette affaire. Je fais le direct sur TikTok. Vous vous plaignez trop. Une personne dit oui, l'autre dit non. J'étais en train de vous dire que toi qui es couché sur TikTok, tu es en train de regarder tes vidéos qui sont amusantes. Qui va payer ton loyer dans quelques jours? Qui va payer ton loyer? Vous blaguez tellement. On a grandi sans avoir un sens. D'urgence. Tu vois, un jeune homme de 25 ans n'a aucune priorité dans sa vie. Il dort, il se réveille à 8 heures. Il tourne un peu au quartier. Après, il part, il voit ce que sa mère a préparé, il mange. Après, il tourne encore, il va y boire un peu une bière. Après, il se couche, il dort. Sans projet. Sans plan. Quand tu le prends, même tu dis, un peu, je commence à travailler ici d'abord. Je vais d'abord t'apprendre certaines bases là. Il va faire 2 semaines de travail, il va commencer à dire que tu l'utilises. Atteignez un niveau où vous devenez conscient. Et tu ne peux pas changer tes enfants si toi-même tu ne changes pas. Donc voilà, les enfants sont en train de partir. Ils sont endormis même. Ils dorment. Il est 23 h. Ils dorment. N'est-ce pas? Tes enfants ont fait quoi de constructif dans cette journée? Demain, on se réveille à 9 h. Jouer. 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 Manger. Jouer. 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 Dormir. Tu ne leur enseignes rien. C'est normal que tes enfants ne produisent rien. Et le succès, c'est quelque chose qui se planifie. Le succès, c'est quelque chose qui se voit, qui se désire avant de se laisser atteindre. Je trouve que c'est quand même dommage parce que aujourd'hui je parlais avec ma fille. Elle me dit qu'elle avait sa. Elle a une copine, une camarade de classe qui vivait en Chine l'année passée. Et cette camarade de classe lui dit qu'il fréquentait jusqu'aux 22 h. Et les dimanches, il venait à l'école. Je me suis dit, tu vas prendre l'enfant de qui pour dire que tu vas le mettre à l'école à 22 h. C'est les parents eux-mêmes qui vont venir. Elisa, bonsoir.
Ce sont les parents eux-mêmes là qui m'ont dit, oh, l'école a dit trop. Oh, elle va montrer que quoi aux gens. Marie-Angèle, bonsoir. Vous vivez comme tout le monde, c'est pour ça que vous avez les résultats que vous avez. Si votre fille suit les mêmes pas que vous, elle deviendra aux alentours de la même chose que vous. Vous n'avez pas appris à vous surpasser. Vous n'avez pas appris que même si je suis fatiguée, je vais faire. Ça ne m'écroule pas pendant que j'entends. Il y a les jours où je rentre. On garde devant la maison. Je ne garde pas la force pour enlever mon pied de la voiture. L'Afrique ne peut pas changer si on a des Africains qui ne se suivent pas. Vous voulez juste un peu. Donnez-moi juste assez pour que je... La vision n'est pas là. Les actions ne sont pas là. Si je vois, je vais poser les actes appropriés. Si je pose les actes appropriés, je vais obtenir. Ça va de soi. Je vois les gens qui me... Oh, je te suis en ligne. Tu me suis, ok, de tout ce que j'enseigne. Tu as mis quoi dans ta vie au quotidien? J'attends de divorcer avec mon mari. J'attends de sortir de la maison d'abord. Je veux... J'attends avant de... Tu t'endors quand le sommeil te surprend. Les gens ne savent pas que... Il y a un nombre d'années dans lesquelles tu dois pointer. Je suis restée aujourd'hui, j'ai eu une idée là que moi, monsieur, on s'est dit que mince. Mon cerveau, c'est là, tu es à... Tu es à un niveau, tu me produis les idées qui vont donner que les millions en une fois. Oui. Donc, tu as une idée, tu sais que non, l'idée, c'est là. Ça là, c'est 70 millions. Ça là, milliardaire. Dormez. Ton corps, ton esprit, ton âme doivent s'habituer. Tu dois t'habituer aux circonstances de ta vie. Je suis dans la joie, oh, je travaille. Je suis dans le malheur, oh, je travaille. Je suis dans peu importe les humeurs, les saisons, les peu importe. Tu vas me trouver en train de travailler. Tu vas me trouver en train de pointer. J'ai pénalisé un superviseur. Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que vous m'entendez? J'ai pénalisé un de mes employés toujours parce qu'il dit qu'il a, il est arrivé en retard. Il dit, je m'excuse, je serai en retard. Il a fait genre... Je ne me suis pas réveillé à temps. Il dit que monsieur, c'est ton alarme qui doit te réveiller. C'est ton alarme qui doit te réveiller. Tout à l'heure, en dormant, tu sais que je dois me réveiller demain. Tu mets l'alarme. Si tu ne mets pas, c'est toi que je pénalise. Je ne veux pas savoir. Et moi, faire que le tirer TikTok. Parce que le genre de volume là. Le volume dérange depuis. Je fais n'importe comment, ça revient pareil. Le volume passe, ça vient, mais est-ce que vous m'entendez?
Bon, allez sur TikTok. Babadou, derrière vous. Allez sur TikTok.